Bobli, tu es qui? Faut pas faire, hein? Faut même pas faire, faut pas me faire parler, hein? Arrête un peu. Si tu étais quelqu'un, tu allais donner ton vrai nom. Ton vrai nom, tu allais mettre ça sur ton Facebook. Tu te donnes un genre, tu te bats sur Facebook avec tes petits frères, en train de lutter la place comme ça. Ce que tu n'as pas fait depuis où tu dis on t'applaudissait quand tu rentres pour ton anniversaire, menteur. Toi. Tu as fait de la merde, les gens m'ont jamais vu, vont me voir comme ça. Toi, tu penses qu'il y a peur de toi? Et puis, hier, te dit une chose. Si tu penses que tu es un homme, arrête de parler. Moi, j'aime pas trop parler. Quand il vient ici, là, j'aime faire rire les gens. J'aime faire le clown parce que ma vie mène ça comme ça. D'accord? Et celle que tu défends là, le jour où tu l'as au téléphone, elle va te dire, ferme ta gueule. Elle va te dire ça. Faut la laisser tranquille. Tu penses que c'est ta camarade? Tu es tout en train de dire son nom. Non, non, non. C'est pas ta camarade. Ferme ta gueule. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. 1, 2, 3, Aline. 1, 2, 3, Aline. Tu la connais où? Et tu vas même aller raconter des choses. Tu envoies même une demande d'amis à sa jumelle. Ça t'étonne pour te dire que je suis au courant de tout. Parce que si toi tu penses que entre Aline et moi c'est le volcan, c'est le feu, elle n'est pas bête comme toi. Ou bien tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Parce que les gens parlent, je parle pas. Toi, t'as été réveillé gaillardement matin, tes caleçons sales, sales là, t'as m'envoyé un message. C'est comment tu fais ta déclaration quand? Ta mère, je voulais pas dire ça, mais ta mère, bâtard. Toi, tu es malade, hein? Tu es arrogant quand même, hein? Tu es arrogant, toi, t'as délevé. Parce que je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que je pensais que tu étais intelligent. Mais comme tu es bête là, je t'ai raccroché au nez, non? Il est loupé. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dicter. Et qui va me dicter? Un parvenu, un bon à rien, mal éduqué comme toi qui s'assoit sur la toile pour insulter les femmes comme si Jean était tombé du ciel. Toi, tu vas parler. Ferme ta gueule un peu. Et puis, quand on est moche comme moi, là, on se cache. Tu es vilain, tu es toujours en train de faire des directs. Faut te calmer. Et puis, quand tu fais tes directs là, essaie d'être aimable. Quand tu es vilain comme tu es vilain là, faut essayer d'être aimable. Tu sais ce que c'est d'être aimable? Rigole un peu, parle bien des femmes. Est-ce que tu comprends? Tu vas pas insulter une ici et après venir là faire le gars qui fait les choses bien au fait. D'accord? Et le jour où j'ouvre ma bouche pour parler ici là, tu auras très honte. C'est pas un gars moche comme toi qui ressemble à cuit des chiens. Tu vas venir parler ici là. Tu te prends pour qui? Si j'étais à ta place là, le blogging là, j'allais même plus faire. Est-ce que tu comprends? Tu penses que parce que ouais, monsieur il porte Costa, il met lunettes, il vient là être à large tête là, tu viens fatigué. Faut te calmer, hein. Faut te calmer même. Quand on te donne le respect là, tu penses que c'était qui? Hein? Avec tes narines dégardées là. Va-moi. Tu es moche, tu viens parler dans l'affaire des gens. Laisse les femmes m'insulter. D'accord? Laisse les femmes m'insulter. Toutes les femmes elles peuvent m'insulter. Dis ce qu'elles veulent. Quand toi tu te regardes, toi comme ça, quand tu te regardes, la jolie femme là, maman Tina Glamour, toi tu te regardes avec, regarde ta taille, mais tu te regardes, toi tu as insulté cette dame là, tu as la traité de je ne sais quoi, toi tu as te calé avec tes caleçons sales, sales là, tu as fait direct, tu as pété sur toi là, venu faire direct pour parler des gens, tu es malade, ça va pas dans ta tête, chien vert, arrête tes conneries là, hein. Faut te calmer, hein. Faut te calmer même. Toi, un vieux con, tu es vieux. Faut arrêter. T'es là, tu te mets dans des trucs. On enlève dans ta bouche ta sale gueule là. Tu attrapes, on dirait chien enragé. Tu veux pas laisser. Aïe. Hein? Moi, je t'ai dit, faut pas m'insulter. J'ai dit, il faut faire. Insulte-moi comme tu veux. Mais je te dis rien. Ce qui te fait mal, c'est ça, en fait. Tu es malade. Toi, tu es juge. Tu me parles mal de moi. Tu parles bien de moi. Mais ferme un peu ta gueule. Ceux qui doivent défendre la femme, c'est pas toi. Toi, tu es une personne, toi, je suis rien, mais toi, tu n'es, tu es égal à toi, tu n'es rien. Tu as insulté le bas de la femme, tu as fini de faire tout ce que tu as fait là, et tu as t'asseoir, gentil, défends la femme. Tes narines là, montre tes enfants, on va les voir. Montre tes enfants, tout en train de fouiner dans les caleçons des gens, en train d'insulter les gens. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Je suis ivoirien comme toi. Sale gueule là. Nous tous on a ça. Ou bien quand on dit qu'on joue ballon, on parle plus. Il est fini de jouer ballon. Affaire de capi là, c'est fini.
Tu comprends? Le jour où tu me croises là, tu mâches mon pied et te montrer que tu n'es personne. Tu comptes sur quoi? Tu es bête, tu es con. Tu n'es même pas sage, mais un singe comme toi, tu es bien vilain. Faut dire, tu voulais dire, tu, en fait, tu avais envie de dire, en plus, tu es moche, mais tu sais que si on nous place, nous, de la façon, ils vont te botter. Tu es malade, toi? Être aux États-Unis, ça te permet de parler aux gens n'importe comment. Il faut te calmer, frère. Il faut te calmer. Si on s'arrête, on va prendre photo de où je pleure pour mettre ça à côté. Quand tu t'arrêtes, quand tu me regardes, quand tu me regardes là, si on s'arrête, toi et moi, toi, tu peux, de A à Z, sur tous les plans, tu peux faire quoi? Faut te calmer, t'es en train de parler des années 1900, non, quand moi je venais, les gens se levaient, t'as que des souvenirs. T'as pas d'avenir. Donc c'est pourquoi t'es coincé sur une histoire où les gens ont parlé, sont passés à autre chose, on est en train de passer. Tu as quel problème? Et toi, à la minute, c'est-à-dire que si je me lève contre toi, à la minute là, tu vas apprécier. Mais j'ai pas besoin de ça. Est-ce que toi et moi là, toi et moi, en temps normal là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te connais pas ou bien tu fais exprès? Faut pas mentir, faut être vrai, faut dire la vérité, comme ça ils vont continuer à te suivre en fait. Est-ce que tu comprends? Donc tu sors tes narines là pour te placer pour parler, pour l'heure. Faut divaguer, va chercher ce que tu veux, faut dire ce que tu as envie de dire. Moi je m'en fous en fait. Je m'en fous de ce que tu penses. Toi t'es qui dans moi ma vie en fait? Que toi tu dis quelque chose et puis genre ça change la vie à quelqu'un. Et je parlerai plus de ce magouia là. Sale morpion. Faut te calmer. Tu peux plus jamais tu te permets d'insulter, même pas moi seul, d'insulter qui que ce soit. Faut te regarder d'abord. Si c'est pas Facebook là même là, toi, si c'est pas Facebook là, toi tu peux ouvrir ta large bouche qui arrive sur ta nuque là, et ta tête on dirait, il t'a avalé bidon là. Toi tu as ouvrir ta gueule pour me parler. Moi je mets mon orgueil de côté, je t'appelle en tant qu'un grand frère, tu refuses. Tu vois, la place des grands frères. Eh, si tu veux là, il y a déjà mon cuitard et depuis que tu as venu sur Facebook, ça ne me fait ni chaud ni froid.